Les bourses européennes évoluent à la hausse 3 heures avant la clôture des marchés parisiens. Elles profitent de l'élan donné par Wall Street hier, tandis que les investisseurs se concentrent désormais sur les résultats des entreprises cotées. Ainsi, 3 heures avant la clôture de Paris, le Stoxx 600 gagnait 0,35% à 379 points. À Londres, le FTSE gagnait 0,11% à 7206 points. À Francfort, le DAX gagnait 0,77% à 12486 points. Et de son côté, le CAC 40 gagnait 0,40% à 5334 points. Du côté des plus fortes hausses, sur l'indice parisien, 3 heures avant la clôture, nous avions Publicis GRP, plus 2,21% à 56,36 euros. Et Peugeot, plus 1,28% à 20,54 euros. À la baisse, en revanche, nous avions Vivendi, moins 0,80% à 21,03 euros. Et Vinci, moins 0,60% à 82,22 euros. Et puis on termine avec le marché des changes. 3 heures avant la clôture de Paris, 1 euro valait 1,2381 $ et 1 dollar s'échangeait pour 107,02 yens. À la bourse de New York, c'était Marie-Jeanne Tric pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle journée et à demain.